Eh bien, salut tout le monde, c'est Super Léo et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 du LP. Donc on est sur un cheval, hein. Ça bug un peu, mais en plus il va à 2 à l'heure, mais bon. Voilà, on n'a pas été très gâté hein, au niveau des chevaux, donc oui, j'en ai un nouveau. Tout simplement parce que l'ancien est mort dans la lave, dans d'atroces souffrances, quand j'étais en sa compagnie. Donc j'étais sur le dessus du cheval et moi j'ai réussi à m'en sortir, mais le cheval non. Donc j'ai perdu même l'armure en diamant du cheval, donc c'est bon, c'est un peu décevant, mais bah, voilà quoi. On va essayer de faire avec hein. Et donc là, ce que je voulais, c'était vous montrer. Donc j'ai un deuxième cheval hein, à la maison hein. C'est jusque là j'ai pris celui-ci puisque voilà, mais je vais vous montrer donc pour la farm où est-ce que ça en est. Donc j'ai fait juste... Ah attends, viens. J'ai fait le... Ici vous pouvez voir, j'ai fait un genre de petit tuyau en fait, un petit tube qui est assez sympa parce que bon bah ça aide en fait les golems, parce que j'ai vu qu'il y en a parfois certains qui glitchaient. Donc vu que ça peut être assez dérangeant, bah j'ai mis ça. Hein. Est-ce qu'on a de quoi se faire un stack de rails? Ouais c'est bon. Bon bah on va te laisser là toi, tant pis. Voilà, donc je vais vous montrer là, je vais voir s'il y a du rendu un peu, si on a des golems, parce que normalement la farm est vraiment censée bien marcher. Donc bon, hop. Donc j'ai déjà, hein, je dis ça, mais on a déjà eu l'équivalent de presque 3 stacks de blocs de fer. Donc c'est quand même déjà bien. J'ai un stack à la maison, et là il y a, je pense, un demi-stack ici, un peu plus d'un demi-stack. Parce que... parce que après les gens se sont servis aussi hein, normal. Donc bon, là on va voir. Bah voilà, vous voyez, tout vient. Donc il n'y en avait pas énormément hein, là. On va prendre ça. On va mettre le fer ici. Donc là vous voyez que il y a l'équivalent d'un bloc. Et là normalement il voilà, y a 36 blocs. Donc voilà, on a l'équivalent de 37 blocs de fer là. Sinon bah, pour les fleurs, il y en a qui se sont servis aussi, hein, bien sûr. Donc voilà. Maintenant on va rentrer à la maison et un des objectifs du jour, si parce qu'il y en aura peut-être plusieurs, hein, je sais pas encore, on verra sur le temps que ça nous prend, mais c'est de faire l'écurie que j'ai sorti en LP, en tuto je veux dire. Donc on va faire cette écurie qui est vraiment sympathique. Donc comme vous pouvez voir, genre, je crois que plus lent, je crois même pas que j'aurais pu trouver en fait au niveau des chevaux, genre c'est... il va à la même vitesse que quand moi je marche quoi, c'est même pas genre quand je sprint je vais plus vite, bien plus vite d'ailleurs. Donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, en fait il remplira parce que je vais faire deux box d'écurie, donc deux là que comme ceux que je vous avais montré dans mon tuto. Donc allez le voir parce qu'il est vraiment vraiment bien ce système là. Je suis vraiment très heureux de vous avoir proposé ça. Donc allez voir ça. Et moi pour l'instant, hop, je vais... Donc vous voyez, l'autre cheval est ici. Alors lui, c'est un rapide. Alors attendez, parce que j'ai fait une bêtise. Je vais donner un coup, mais c'est pas grave. Donc lui, vous allez voir, il est vraiment sympa. Donc déjà, lui, en fait, il va pas vite, mais il est super rapide. Il saute super haut, hein, il saute super haut. Et lui est rapide. Comme vous pouvez voir, bon, il est bien. Hein. Il y a pas de... Bon, ça lag un peu, hein, je suis désolé, mais... Donc voilà, vous pouvez voir, il est sympa. Et avec, on peut sauter quand même assez haut, donc c'est assez sympa ça aussi. Et lui saute encore plus haut hein. Lui saute 4 blocs et demi je pense quand il est en full, donc bon, c'est pour ça que je le garde, mais bon, c'est pas non plus énorme. Donc on va juste dire bonjour, salut, voilà. Donc on va passer à la construction des écuries. Donc j'espère avoir ce qu'il faut. Je regarde, je pense faire donc des pistons et tout. De toute façon je vais voir, je vais récolter tout ce dont j'ai besoin et après je vous retrouve et je vais vous montrer l'emplacement et tout, et après on fera ça. Donc voilà, donc on se retrouve juste après. Et bien on se retrouve avec tous les matériaux dont nous avons besoin et on va s'installer vers ici je pense. C'est là qu'on va commencer l'écurie. Donc je pense qu'on va placer... Alors là j'avais mis des blocs là, je pense que c'est pour délimiter. Ouais, je pense que je vais commencer à faire le premier box ici. Ouais, ici ce serait bien.
Voilà, avec 1, 2, 3, 4. Hop, là on va mettre ça comme ça. Et donc là on peut monter, on va faire un petit truc de 3. Hop, on va mettre ça comme ça, tac, tac. Voilà. Et là il y aura par terre. Donc on part sur un truc un peu comme ça. Oui, donc il y a exact, il y a, oui, il y a bien la place. Donc ce serait comme ça. Hop. Comme on a vu la dernière fois. Donc on va faire comme ça. Ici on place les glowstones. Les glowstones que j'ai oublié là-bas. Donc j'irai les chercher juste après. Donc voilà où seront placés les box. Il y en aura un deuxième qui sera donc juste là. On va en faire un là. Tac, tac, tac. Voilà. Alors vous m'excuserez parce que la déco c'est pas non plus mon fort. Mais bien sûr je vais essayer de m'améliorer. Attendez, mais là c'est pas du tout bien ce que j'ai fait. Parce que en fait c'était que deux. Ouais c'est ça. Ah là 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 là. Léo, Léo, qu'est-ce que tu fais? Hop, hop, voilà. Et ça on va détruire parce que c'est pas censé être ici. Ah là 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 là. Donc on va mettre ça ici. Ça là, tac, tac, voilà. On va placer ça comme ça. Et on va mettre tout de suite les demi-dalles. Wow, il y a eu un rollback. Hein, comme vous avez pu le voir. Je sais pas ce qui s'est passé exactement. Donc on va placer ça comme ça, tac, tac. Hop, hop, hop. Voilà, donc il y aura les deux écuries ici. Et après on va essayer de faire un petit, je sais pas, genre un petit complexe, un petit jardinet et tout. Bah, j'ai envie de faire une belle entrée devant chez moi, donc aujourd'hui ce sera déco plus s'occuper des chevaux. Et voilà, donc je vous retrouve dès que j'ai un peu plus avancé. De toute façon vous pouvez aller voir le système si vous voulez vraiment voir comment on le construit. Donc voilà, allez, on se retrouve juste après. Donc juste en attendant, on va faire un petit enchantement niveau 30. Donc allons-y, j'ai préparé l'épée en diams tout à l'heure. 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. On espère avoir looting, même si je suis certain que je l'aurai pas. Mais bon. Sharpness 4, knockback 2. Donc c'est une très bonne épée de combat. Donc voilà, je suis pas mécontent non plus. Hein, mais voilà, c'est pas du looting. Donc de toute façon, sans avoir le looting, je n'irai pas dans le Nether. Hein, et bien sur une looting 3, pour avoir encore plus de chances d'avoir un crâne de Wither Squelette. Parce que ça m'est vraiment indispensable à l'avenir et même j'aurais besoin de environ peut-être pour faire vraiment ce que je veux. Ouais, du 6 crânes de Nether squelette, il me faudrait vraiment, ce serait top. Pour avoir un Wither que je garderai. Donc ne me demandez pas pourquoi, je suis un peu suicidaire, mais je le garderai. Dans, dans une cage. Pour en faire quelque chose. Et en plus de ça, il y aurait un. Donc pour un beacon. Donc voilà. Donc le maglostone était juste là de toute façon. Bah non. Bah alors elle est où? Je sais même pas où elle est. Je sais que j'avais de la glowstone par là, donc normalement c'était censé être ici, mais. Je sais pas où on me l'a mis. Donc de toute façon on se retrouve juste après, je vous l'avais dit. Allez, à tout à l'heure. Et bien en fin de compte, je me retrouve à aller chercher de la glowstone, je veux dire. Dans le Nether parce que tout simplement je ne retrouve pas ma glowstone, donc bon voilà, c'est pas trop grave, mais bon j'aurais pu quand même me passer de ça. Donc je vais faire tout ça et on se retrouve donc une fois que j'ai un bon stack de glowstone, comme ça au moins j'en aurai. Alors, j'espère juste que je vais pas me faire shooter par un ghast. Parce que là j'en entends un, donc en fait. Et vu que j'avais baissé ma luminosité pour tout à l'heure quand j'étais en créa parce que je tournais un truc. Pas pour la chaîne hein, mais et donc attendez, je vais pas le faire, mais ouais, je tournais un truc pour perso et fallait pas que je montre un système que j'avais fait, donc qui est pour plus tard. Donc voilà, vous avez. Des petits spoilers, même si c'est pas du tout un spoiler en fait, mais voilà. Donc là, combien j'ai de poudre de glowstone? J'arrive à du, ouais, bah j'ai presque un stack de, un demi-stack. Bon bah, vous savez quoi, on va dire que c'est bon. Attendez,
Oups, bon bah c'est pas grave, vous savez quoi? Ouais voilà, je pense qu'on est bon, on a 31 glowstone, c'est assez, waouh, gros fail. Ça c'est, de toute façon, on se revoit juste après, et de toute façon, le Nether, on aura le temps de le découvrir hein, dans les futurs épisodes. Donc voilà. Et donc on se retrouve. Donc nous sommes en face de l'écurie, enfin terminée. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu quand même designé pour que ce soit pas, pour qu'il n'y ait pas un trou au milieu et pour que ça rentre plutôt bien dans haut, bon, qu'on voit pas trop le système de derrière. Donc on le voit un petit peu, même si ici vous pouvez voir, il y a, là j'ai quand même mis un peu de blocs. J'ai fait pareil de l'autre côté et là derrière c'est comme ça. Donc bon, vous voyez bien, attendez, je vais voir si je peux mettre mon FOV à max. Ça rend comme ça. Hein. Voilà, même s'il y a un autre là qui est juste à côté de nous, mais bon, voilà. Donc on va la tester tout de suite parce que je l'ai pas encore testé en fait. Enfin, je l'ai testé juste pour rentrer, mais je suis pas encore sorti avec les chevaux. Donc on va voir ça tout de suite. Hop. Et oui, ça fonctionne. Et donc si on rentre dedans, hop. Et voilà, on est très très bien. Bah, le système fonctionne très bien. Je suis très ravi de ça. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un autre cheval, parce que l'autre est mort. Je sais pas encore, j'ai encore perdu un cheval, donc il est mort. J'en ai réussi à avoir un autre, j'ai accouplé celui-ci avec un de quelqu'un d'autre du cerf. Donc comme ça, voilà, j'ai deux chevaux. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc l'épée Sharpness, ça fait du bien d'avoir une belle épée. Attends, parce qu'on tue les mobs assez facilement. Voilà. Ça, regardez, on va le tuer. Hop. En plus, on a knockback, alors pour les creepers, c'est top. Donc voilà, donc déjà, pour ça, maintenant, on est bien. Donc bon, ça, c'est tout. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, je vais essayer de faire un petit chemin venant de là-bas. Un petit chemin vers là. Je vais voir si je supprime ou non ce petit champ, parce que bon, en soi, il n'est pas très, très important, mais bon, voilà. Et là j'aimerais bien faire une structure, mais je faut que je réfléchisse encore. Donc je vais voir ce que je vais faire en premier. J'aimerais bien faire une genre de structure un peu genre écurie, avec un stockage de foin, où je pourrais stocker tout mon blé et tout. Parce que bon, en fait ça sert pas à grand chose, mais voilà, c'est un peu de RP et ça fera assez beau proche de chez moi. Et bien sûr, voilà, donc je vous dis un petit chemin vers là. Voilà, on va enlever tous les coffres, là, tout ce qu'il y a ici. Un petit chemin qui vient. Hop, avec voilà, plus de fleurs, enfin plein de petites choses comme ça quoi pour décorer. Un petit là, celui-là que je trouve qu'il est moche, je vais en faire un autre petit, un petit jardinet et tout. Voilà, ça va être top, on va s'occuper de ça et comme ça ce sera cool. Donc on se retrouve dès que j'ai quelques idées. Mais malgré tout, on se retrouve pour un autre enchantement. Donc hop, on va essayer d'avoir cette fois-ci. Oups. Un looting, ce serait top top top. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là on espère avoir looting. Et non! Voilà, je crois qu'on aura. Donc je vais poser ça là. Je crois qu'on aura tout ce qu'il faut pour. Pour se battre contre tous les mobs. Sauf la looting. Donc bon. Donc je suis parti dans le biome désert parce que j'ai besoin de sable pour une petite construction que j'ai commencé à faire. Et pas de sandstone, hein, de sable exactement. Et donc bah, j'ai utilisé la petite technique de la torche parce que j'ai vu que j'avais des torches sur moi au lieu d'utiliser ma pelle. Et c'est pas très compliqué. Hein, voilà, vous pétez le premier bloc. Vous mettez ça. Et ça récolte automatiquement votre sable. Donc j'imagine que ça, beaucoup d'entre vous sont au courant. Il y a eu un petit bug là. Voilà. Il arrive qu'il y ait des bugs, hein, mais c'est quand même plutôt rare. Hein. Voilà, regardez. C'est si je le mets très vite en fait. Ça. Hop, là il y a eu un petit problème. Ouf. Et voilà, donc voilà, petite technique de la torche. Hein, je voulais vous la montrer. Après vous reprenez vos torches. Et c'est pas très compliqué. Allez, on se retrouve à la maison. Et on se retrouve dans la zone agricole, voilà, comme vous pouvez voir ici et ici. Donc j'ai récolté des feuilles parce que j'en avais besoin
pour la décoration là-bas. Donc vous pouvez voir, la zone agricole, ils ont fait une réserve par là-bas. Donc c'est très bien, c'est une très bonne idée, je trouve. Et ici, il y a CyberSDF qui nous a fait ses super tours, là, qui produisent la masse de pastèques et de citrouilles. Donc comme vous allez voir, donc pour la citrouille, ça produit vraiment beaucoup. Comme, voilà. Et alors, pour la pastèque, on n'en parle même pas. C'est vraiment genre, ça produit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, la ferme de cyber est vraiment, je pense, une des plus efficientes qui existe, voire la plus efficiente. Donc on va prendre un stack, voilà. Voilà, on va prendre un stack de pastèques, puisque comme ça on va s'en servir pour la décoration. Je crois que j'ai déjà des citrouilles à la maison, mais on va quand même en reprendre. Qu'est-ce que je peux jeter qui va me servir à rien? Ça. Voilà. Et on va aller sur notre cheval et on va rentrer vers la maison. Donc allons-y. Donc en passant, d'ailleurs, je vais vous montrer donc à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc bon. Il y a vraiment des problèmes de chargement de chunk en ce moment sur le serre. Je sais pas si c'est le serre ou ma version de Minecraft qui a un peu des problèmes, mais bon. Voilà, voilà, on va voir. De toute façon, on arrive bientôt à la maison. Donc on va avoir une réunion bientôt avec tout le serveur pour savoir pour les projets futurs du serve. Et donc ouais, je vais savoir ce que je vais pouvoir faire sur le serve avec quelques personnes et tout. Et en plus, il y a vraiment des bons projets à venir, comme le Fallen Kingdom, et qui est déjà peut-être en train de passer, je crois, sur la chaîne. Donc, allez le voir, c'est vraiment très bien. Et oui, je pense qu'il est déjà passé. Et vous verrez qui a gagné. Je ne spoil rien. Voilà, donc là, vous avez pu voir, j'ai fait un petit chemin. J'ai mis des petites trucs comme ça. Donc, c'est pas très très beau. Mais on n'a pas de moss stone, je voulais mettre de la moss stone. Mais bon, on n'en a pas beaucoup, donc bon, voilà. Et sinon, j'ai fait une petite rivière ici, avec un petit pont. C'est pour ça aussi que le sable m'a été utile. Et sinon, regardez, vous pouvez voir, ce que je vais faire, c'est que je vais placer des petites des petits trucs comme ça. Voilà. Par ici, par là. Ça rend pas super beau dans ce biome, hein, mais même dans un biome marais, on va s'y faire. Hein, mais voilà, pour un peu de déco, c'est assez sympa. Voilà. Et hop, comme ça. Mettre ça. Comme ça, voilà. Donc vous pouvez voir, c'est assez cool. Après, on va pouvoir mettre je sais pas, par exemple un petit regardez, des petits trucs comme ça. C'est toujours sympa d'avoir des petits trucs. Regardez, bon, là il y en avait, on en a mis un de trop là quand même. Hop, vous voyez là, c'est top. Avec parfois des petits trucs comme ça. Regardez, pour les citrouilles, on va mettre des petits trucs, voilà, comme ça, avec parfois des petites têtes de citrouille. Hein. Regardez, on met un petit coin, il y en a un peu plus. Hein, voilà. Et là, ce qu'on peut faire, c'est toujours aussi placer des petites feuilles. Alors ça, je les place vraiment à l'arrache. Hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment. Donc on va. Alors vous pouvez voir quand même que la place, elle a quand même beaucoup changé. C'est un peu plus coquet, je trouve. Même si c'est pas encore ça. Hein, surtout que c'est vraiment fait en freestyle. Mais pourquoi c'est fermé? Oui, parfois j'ai un bug, et ça c'est que sur le serveur, je crois. C'est que sur le serveur, parfois il y a un petit bug comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est avec la vitesse du cheval, ça. Allez, ouais, ça ferme des trucs. C'est un peu bizarre, mais non, bah, les zombies. Donc le serveur est en hard, donc on a quand même un peu de zombies qui viennent sur nous, enfin un peu beaucoup. Hop, 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 voilà, le cheval est à l'intérieur. Et ouais, ce système est vraiment sympa, franchement. Je suis vraiment content de vous l'avoir, en plus, vous l'avoir montré. Parce que j'ai peut-être pas fait dans l'ordre des choses. Hein. J'aime bien montrer mes choses d'abord en let's play, puis me faire un tuto, si les gens aiment. Mais là, il se trouve que j'avais déjà tourné deux épisodes de LP à l'avance. Donc de toute façon, mon tuto, c'était soit j'attendais, mais voilà, attendre. J'ai pas non plus la masse de tutos à vous montrer. Enfin, c'est que quand j'ai des idées, généralement ça arrive soudainement, hein. C'est pas faut pas croire que ces gens c'est pas inné chez moi de faire des tutos, hein. J'ai pas non plus 4000 idées. Alors toi t'es ouais, ok. Ah, je sais pas d'ailleurs si je vous avais montré mes nouvelles boots. Alors attendez, je vais vous montrer ça une fois qu'on se sera fait
ce monsieur. Donc oui, j'ai des protection 3 Feather Falling 4. Donc ça s'use très vite vu que je les ai en fer. Hein. Mais bon, j'avais que du fer sous la main et j'avais 24 levels sur moi. Donc boum, je me suis dit tac tac, tu fais ça. Mais alors celui qui a les meilleurs boots du cerf, je crois que c'est Cyber SDF avec un protection 4 Unbreaking 3 Feather Falling 4 en diamant. Donc là il y a vraiment du lourd. Donc j'ai pas ça, mais ça va pas tarder. Hein. Un jour j'aurai ça aussi. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour décorer sinon? On va mettre des poppies un peu. Et après on va mettre. On va aller peut-être chercher. Je vais peut-être aller dans un petit biome. Je vais peut-être aller dans un biome flower là. Je crois que j'en avais trouvé un. Enfin un biome flower. C'était pas un biome flower, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de feuilles. Donc on ira peut-être à un moment. Mais là je cherche des feuilles que je ne sais pas où j'ai mis. Ah voilà, j'avais ça. Donc j'en ai qu'un. Mais bon, c'est toujours ça. Et j'en avais d'autres sortes. Toc toc toc. Où est-ce qu'elles sont? Je sais que j'en avais d'autres sortes. Mais je ne sais plus où est-ce qu'elles sont. C'était des feuilles un peu bizarres, mais bah je crois que j'en ai pas. Ah, si, je suis sûr et certain qu'il y en avait. Attendez, je suis sûr et certain, mais alors où est-ce qu'elles pourraient être? Parce que si elles sont pas là, j'ai pas d'autres coffres chez moi, donc de toute façon bon, bah vous savez quoi, je vais aller en chercher de toute façon. Voilà, ici j'ai rien. Et j'ai rien sur moi aussi, j'imagine. Non. Donc bon, vous savez quoi, déjà là c'est déjà assez bien. Maintenant moi je vais aller m'occuper d'aller chercher des feuilles. Regardez, vous pouvez voir de haut. Ça nous fait un petit jardinier, donc c'est pas encore ça, mais bon voilà. Et on va faire un petit chemin qui va vers là-bas. Et pour les écuries, bon, on fera un bâtiment un jour, mais un autre jour. Voilà. Là on va finir ça, on va faire de la déco et on va faire aussi un petit truc dans la maison que je vous montrerai juste après. Mais voilà, donc on va faire ça et après on se retrouve. Donc juste avant de vous montrer à quoi ressemble la base, je suis en mode la récupérateur de bois. Pour faire, je vous ai dit que j'allais peut-être faire un petit truc derrière la cheminée. Enfin, je vous l'ai peut-être pas dit comme ça, mais en fait je vais faire quelque chose, je pense, derrière la cheminée. Et une chambre, on va dire, comme ça. Je pense que je vais faire une chambre. Et juste pour qu'on ait un endroit, enfin qu'on ait un lit quoi, comme ça on peut spawn dans notre lit. Et donc je récupère du spruce wood et je vais récupérer après du bois normal. On va pas laisser ça comme ça. Et aussi je voulais vous montrer que j'ai eu un enchantement. Donc j'ai pas pu vous le montrer parce que vous allez me dire, croyez pas que je cheat ou quelque chose comme ça, je suis sur serveur. J'ai aucune commande moi personnellement, regardez. Je peux faire slash game mode ou des trucs comme ça. Ça marchera pas, voilà, enfin bon, en gros bon, je peux rien faire, donc je cheat pas et tout, j'ai juste pas mis en vidéo parce que c'est vrai que je vous ai montré tous les autres enchantements et là je vous le montre pas, donc ça fait un peu bizarre, mais j'étais avec les autres sur le serveur et j'ai récupéré de l'XP à la ferme et j'ai eu un enchantement que je vais montrer dans 2 secondes. Voilà, et j'ai eu une épée Smith 4, Knockback 2, Unbreaking 3, Looting 2. Donc j'ai eu une épée looting, en gros. Une épée looting qui me servira longtemps. Donc on ira chercher des Wither Squelettes dans le prochain épisode. Ça c'est sûr. Donc là je vais chercher le bois normal dans la ferme qui est faite pour ça. Ça je crois vous l'avoir déjà montré. C'est la ferme à melon de cyber. Hein. Donc bon, voilà, donc je vais prendre du bois et on se retrouve à la maison, j'aurai déjà fait tout et je vous montre après la déco finale. Et donc on se retrouve pour cette fin d'épisode devant le... Bah devant mon entrée de maison, on va dire, mon petit jardinet que j'ai construit. Donc j'espère que vous aimez, ça fait un petit truc un peu mieux qu'avant. Bon, il y a beaucoup trop de rose et de bleu turquoise je trouve, mais bon, au cas où je changerai ça si vraiment... voilà. Donc maintenant les écuries sont vraiment bien implantées dans le paysage. Et je vais d'ailleurs utiliser mon cheval pour y aller. Regardez, j'ai fait un petit passage que je n'ai toujours pas emprunté d'ailleurs.
Voilà, et là on peut entrer et aller dans l'écurie. Voilà, ça fonctionne super bien, c'est trop cool. Donc voilà, et maintenant, donc on va rentrer à l'intérieur. Vous pouvez voir, hein, sympa, le petit pont. Tac, tac. Enfin, bon, voilà, normal, hein. J'ai fait un petit truc que je trouvais plutôt sympa. Et là, on arrive à la maison. Voilà, donc là, bon, ça n'a pas changé. Et hop, ici. Maintenant, c'est un peu mieux. Si on descend, voilà, on a un genre de petit bureau et un lit. Et on peut pas encore dormir. Donc, voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc sachez que dans les prochains épisodes, bon là il n'y a plus de vacances, là c'est fini depuis un moment, donc c'est normal qu'il y ait moins d'épisodes de LP, je m'en excuse, mais bon, enfin je pense, j'essaye de penser à mes études même si c'est quand même assez compliqué et que j'ai un peu de mal à mettre mes priorités, mais bon. Voilà, je préfère essayer de me dire que je fais moins de vidéos, même si j'arrête pas de jouer. Mais je fais pas obligatoirement beaucoup de vidéos parce que ça me prend quand même plus de temps. Donc voilà, et donc dans le prochain épisode, objectif Nether, Wither Skelet. Et voilà, allez, ciao tout le monde!